Ce n'est pas très connu en France, mais il existe une alternative aux EHPAD à Grandvillers, dans les Vosges. Ça s'appelle la résidence d'Yvette, une colocation pour les personnes âgées qui offre des services et un bien-être aux pensionnaires, rencontrés par David Bailly et Mostafa Mohamad. Sur ce banc, voici Jacqueline et Bernadette, deux personnes qui ont choisi la colocation dans cette résidence pour seniors. Ben, ça se passe très bien, sauf qu'on a trop d'années, quoi. Il n'y a pas de souci. Cette maison, c'est Franck qui l'a entièrement rénovée et mise aux normes. Sa femme, elle, s'occupe des résidents, prépare avec elle les repas, jardine, bref, s'occupe des pensionnaires. C'est une colocation, mais il y a des parties communes et des parties privatives, mais que chacun garde son autonomie, son intimité et sa dignité et participe en fonction de leur envie. Le but vraiment de la résidence, c'est vraiment de créer du lien et rompre l'isolement. Voilà. Ici, il y a donc des parties communes comme ce salon ou cette cuisine, mais également des parties privées. Chaque appartement fait environ 30 mètres carrés et donne le sourire aux occupantes. C'est sûr que quand les gens sont heureux de venir ici, ça nous rend heureux aussi. Enfin, c'est quand même le but de cette colocation. Hein. Le prix de la colocation est d'environ 500 euros par mois, plus les prestations de services. On est donc très loin des tarifs des maisons de retraite. Une idée originale et une annonce à passer. Jacqueline et Bernadette cherchent une colocataire aimant les animaux, car il reste un appartement à pourvoir chez Yvette.